Eh bien oui, bienvenue sur Télé Éternel, en direct de le jeudi, je le dis, le 15, J-2 avant la révolte. Mais le jeudi, c'est en ré... Le jeudi, c'est en grosse république. Il y en a marre de se faire enculer, ils fournissent même plus le beurre. Et oui, là, en direct, le papa, il est là. Ça va, chef? Ça va, enfant? Tranquille. On attend la révolte samedi. Hein? On attend la révolte. Ah ouais. Oui. Faut que ça déclenche. Ah, ouais. Ça va, à part ça? Ouais. On va bien. Je suis plein de bénédictions. Je suis plein de bon Dieu. Je sais pas, c'est bizarre. Ça vient du plafond, là-haut. Là. Ça va. Allez, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. En direct du jeudi, je le dis. Toujours plein de bénédictions, c'est un truc de malade. Bon, le problème technique, c'est que... On n'a pas voulu prêter le camion pour Michel, qui lui mettait 20 balles d'essence et qui lui donnait 20 balles. Bon. Ok, d'accord. Ben, il a loué un camion, il va venir vers 2h30. Et Tata l'oracle, elle va rentrer de l'hosto. Ils ont changé la pile au cœur. Elle a dit... Le mec, il dit, oh, vous en avez des beaux tableaux. Elle a dit, ben, le plus vieux tableau, c'était moi. Voilà, que 80. Bon, le jeudi, je le dis, toujours pour entendre la révolte. Soit planétaire maintenant. Chef d'état d'âme, ça veut dire qu'il faut réveiller votre subconscience. C'est tout enterré par pollution électromagnétique, par jeux vidéo, par toutes les saloperies qui font que ça vous passe du temps. Vous êtes content, mais vous comprenez rien. C'est ça que ça veut dire. L'histoire du camion, ça m'a fait chier. Michel, putain, il avait les boules. C'est Michel quand même. Et Aziz, il était d'accord. C'est Yacine qui a dit. Très bien.